Le ministre des Enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAMTEL, la CIRTV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme! La solution du Cameroun contre le Covid-19 et au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Monsieur Dib Nouga Yves, enseignant de mathématiques. Je suis également votre tuteur dans le cadre de ce cours de mathématiques destiné aux apprenants des séries C et T. La dernière séance nous a permis de parcourir la notion de division euclidienne dans L. Et au terme de cette séance, nous avons laissé des devoirs à faire à la maison. Nous allons donc commencer ce jour en poursuivant le thème sur l'arithmétique. Nous allons donc commencer par la correction des devoirs laissés à la dernière séance. Quel était notre premier devoir? Nous le lisons. Olinga possède des CD. S'il les empile par 10, il lui en reste 7. Et s'il les empile en 7, il a 22 piles de plus et il lui en reste 3. Question: déterminer le nombre de CD que possède Olinga. Voilà le premier devoir que nous avons laissé. Olinga possède donc des CD. S'il les empile par 10, il lui en reste 7. Et s'il les empile en 7, il a 22 piles de plus et il lui en reste 3. Déterminez le nombre de CD que possède Olinga. Nous donnons la solution de ce devoir. Alors, dans la première hypothèse, nous disons que si Olinga empile ses CD par 10, il va lui en rester 7. Et s'il empile en 7, il a 22 piles de plus et il lui en reste 3. Il est donc question ici de déterminer le nombre de CD que possède Olinga. Nous notons ici, petit n, le nombre de CD que possède Olinga. En exploitant la première hypothèse, nous avons donc clairement que n est égal à 10 multiplié par U plus 7, puisqu'il nous est dit que si Olinga empile les CD par 10, il va en rester 7. Et dans la suite, on nous dit que si Olinga empile les CD en 7, il va lui en rester exactement 3, c'est-à-dire que le nombre de piles sera ici Q prime plus 3 et qu'il aura exactement 22 piles de plus. Q désigne ici le nombre de piles qu'aura Olinga en les empilant en 10. Q prime désigne ici le nombre de piles qu'aura Olinga en les empilant en 7. Et il nous est dit qu'il aura 22 piles de plus par rapport à la première situation, c'est-à-dire que nous avons ici notre Q' qui est égal à
plus 22. Là, nous avons le nombre de pi dans le cas où cela est appelé en 10. Ici, Q prime désigne le nombre de pi si cela est appelé en 7. 7 désigne le nombre de C des restants. Ici, 3 désigne le nombre de C des restants. Et nous avons l'hypothèse suivant laquelle, dans le deuxième cas, on a 22 pi de plus que dans la première situation. Nous pouvons donc établir ici que nous avons 10Q plus 7 qui sera égal à 7Q prime plus 3. En remplaçant Q prime par Q plus 22, nous avons donc 10Q multiplie Q plus 7 qui est égal à 7 que multiplie ici Q plus 22 plus 3. Cela nous permet donc de résoudre cette équation, 10Q plus 7 qui est égal à 7Q plus 22. Très bien, 7 fois 22 plus ici 3. Et à terme, donc en résolvant notre équation ici, nous avons 3Q qui est égal à 7 fois 22 plus 3 moins 7. Cela nous permet donc d'avoir la valeur de Q qui est égal ici à 50. Si nous avons donc Q qui est égal à 50, il nous suffit donc de venir dans notre première égalité ici, remplacer N par 50, pour noter ici que N sera égal à 10 fois 50 plus 7, N désignant donc ici le nombre de CD que possède Olivia. 10 multiplié par 50, nous avons 500. 500 plus 7, cela nous permet donc d'avoir ici 507. On a donc là terminé la résolution de ce premier devoir que nous avons laissé à faire à la maison. Nous prenons le deuxième devoir. Il est question, ici dans ce devoir, de dire pour chaque cas d'écriture s'il s'agit de l'écriture en ligne d'une division euclidienne et si tel est le cas, de déterminer le dividende, le diviseur, le quotient et le reste. Pour cela, chers apprenants, nous rappelons que le procédé de la division euclidienne dans N, que nous avons étudié à la précédente leçon, nous permet, étant donné A, B, deux entiers naturels, B étant ici non nul, de trouver deux entiers Q et R, représentant respectivement le quotient et le reste, tel que A soit égal à B multiplié par Q plus R avec 0 qui est inférieur ou égal à R, strictement inférieur à B. Cette écriture est donc l'écriture en ligne de la division euclidienne de A par B. A est le dividende, B le diviseur, Q le quotient, R le reste. Nous voulons insister sur cette condition. 0 est inférieur ou égal à R qui est le reste, strictement inférieur à B. Donc, obtenir une écriture de l'euclidienne, c'est obtenir une écriture sous cette forme. Avec cette condition, je voudrais que cela soit bien ancré dans nos têtes. Alors, pour le premier cas, 577 est égal à 92,16 plus 5 plus 87. Peut-on dire que cette écriture est celle d'une division euclidienne? Nous répondons clairement par non, simplement parce que ici, nous avons 97 qui est supérieur à 5 et supérieur à 96. 486 qui est égal à 96 fois 5 plus 6, est-ce une écriture possible du division euclidienne? Nous disons ici oui. Dans ce cas, il nous suffit de considérer comme dividende le nombre 486, de considérer ici comme diviseur le nombre 96, 5 devient donc le quotient et 6 est le reste. Donc la division euclidienne de 486 par 96. Dans le cas petit c, 51 est égal à 6 fois 7
plus 9, attention. Alors, peut-on dire ici que nous avons le cas d'une division euclidienne? Nous disons bel et bien non, simplement parce que 9 est supérieur à 6 et 9 est supérieur à 7. Nous avons donc terminé la correction des devoirs que nous avons laissés à la dernière séance qui portait sur la division euclidienne dans N. La leçon du jour porte sur la numération binaire et la numération décimale. Et cette leçon sera articulée autour de la présentation des objectifs de notre leçon, la déclinaison des notions prérequises à cette leçon, notre situation problème, la conduite de notre activité d'apprentissage, les exercices d'application à la suite de ce que nous aurons à retenir et au terme des devoirs que nous allons vous laisser pour que vous les fassiez à la maison afin de mieux asseoir les notions du jour. À la fin de cette leçon sur la numération binaire et décimale, chacun de vous, chaque apprenant, sera capable de passer de l'écriture en base 2 à l'écriture en base 10, de démontrer l'existence et l'unicité de l'écriture d'un entier naturel donné N à une base B qui est supérieure ou égale à 2. Et enfin, de résoudre quelques problèmes en utilisant les écritures en base 2 ou en base 10. Pour mieux cerner, mieux comprendre cette leçon, il est indispensable pour chacun de vous de se rappeler d'avoir assimilé les notions de division euclidienne dans N dans la recherche du dividend, du diviseur, du quotient et du reste. Par la suite, voici donné notre situation problème que nous allons lire pour mieux la comprendre. Le mari d'un couple d'enseignants de mathématiques travaillant à Douala est promu à un poste de responsabilité à Rouen. Le couple en question a un seul compte bancaire que gère le mari à l'aide d'une carte bancaire. L'époux se rend à Marois et laisse la carte bancaire à sa femme en oubliant de lui indiquer le compte de cette carte. Il lui communique le code par SMS, mais il ne veut pas qu'il puisse être intercepté par une personne autre que le destinataire qu'est sa femme. Il décide donc de crypter le code en l'écrivant en base 2. Après réception du code, son épouse le décrypte en l'écrivant en base 10 pour l'utiliser. Ed Billy, élève en terminale C, la fille aînée de la famille à comprendre ce cryptage et ce décryptage du code de cette carte bancaire. Voilà le problème que pose notre situation. Ce mari a crypté le code de sa carte bancaire en base 2 et son épouse a décrypté ce code et là en base 10. Leur fille aînée souhaite comprendre le cryptage et le décryptage de ce code respectivement en base 2 et en base 10. Nous déroulons notre activité d'apprentissage en présentant ces différentes questions auxquelles nous allons répondre dans la suite. On se propose de démontrer qu'étant donné un entier B supérieur ou égal à 2,
On peut écrire de manière unique tout entier naturel A sous la forme A est égal à Rn, n en indice ici, que multiplie B exposant n plus R indice n moins 1 que multiplie B exposant n moins 1 plus point 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 plus R indice 1 que multiplie B exposant 1 plus R0. Avec les conditions suivantes, 0 est inférieur ou égal à Ri, strictement inférieur à B, et R indice n est différent de 0 pour 0 inférieur ou égal à i, inférieur ou égal à n. On a donc l'écriture de A que nous notons au tableau. A est égal à Rn, Rn moins 1, point point, R1, R0, comme ceci. Et là, avec la notion là, B, nous disons dans ce contexte que ici, A est écrit en base B, et si B prend la valeur 2, nous dirons donc que A est écrit en base 2. Voilà la première question. Nous solutionnons rapidement cette question en montrant l'existence de ce groupe. Petit a, justifier que A est égal à B fois Q0 plus R0, où R0 vérifie la double inégalité, 0 est inférieur ou égal à R0, strictement inférieur à B, et Q indice 0 est strictement inférieur à A. Justifier que si Q0 est strictement inférieur à B, alors le problème est résolu. Question petit b, toujours dans le cas de l'existence. Si Q0 est supérieur ou égal à B, justifier que Q0 est égal à B fois Q1 plus R1, R1 compris entre 0 et B, et Q1 strictement inférieur à Q0. Justifier que si Q1 est strictement inférieur à B, alors le problème est résolu. Question C. Si Q1 est supérieur ou égal à B, alors réitérer le procédé. Question D. Justifier que ce procédé s'arrête au bout d'un nombre fini d'itérations. En déduit par conséquent l'existence de l'écriture cherchée. Question 2. Démontrer l'unicité de cette écriture. Question 3. Le code du couple est 2, 1, 4, 2. Résoudre le problème de la fille aînée du couple. Voilà dans notre activité d'apprentissage. Nous donnons solution à notre activité d'apprentissage en montrant dans la première question de cette activité d'apprentissage l'existence et l'unicité d'une telle écriture. Question petit a. En effectuant naturellement la division euclidienne de A par B, nous notons ici qu'il existe un couple d'entiers Q0, R0 tel que nous allons voir. Nous aurons ici A est égal à B multiplié par Q0 plus R0 avec naturellement R0 ici qui est strictement inférieur à B supérieur ou égal à 0. Voilà la première chose. Dans la suite, nous notons ici que 0, Q0 étant ici inférieur à A, nous avons simplement que si notre Q0 est inférieur à B, le problème est résolu et l'écriture de A dans ce contexte devient clairement ici Q0, R0, tout B. Nous avons donc l'écriture de A ici dans la base B. Deuxième question. Si Q0 est supérieur ou égal à B, on va donc procéder encore par la division euclidienne. La division euclidienne ici de B par Q0. Et nous allons donc simplement, de Q0 par B, pardon, et nous allons simplement donc obtenir ici qu'il existe un autre couple Q1, R1, tel qu'on est Q0 est égal à quoi? À B fois Q1 plus R1 avec 0 inférieur ou égal à R1 et ici strictement inférieur à B. Nous notons aussi simplement ici que si notre Q1 est inférieur
ici à B, le problème est entièrement résolu. Et nous avons donc l'écriture Q1 ici inférieure à Q0, Q0 étant ici, s'il vous plaît, le divinant. Ici, Q0 est inférieur au divinant, ici Q1 aussi est inférieur au divinant. Si nous avons ce cas, le problème est résolu et l'écriture de A devient donc conséquemment ici Q1 qui est ici R1 et ensuite ici nous aurons R0 dans notre base B. À la question C, nous supposons ici que Q1 est supérieur à B, alors nous effectuons encore une division euclidienne. Et nous notons ici qu'il existe encore un couple Q2, R2. Nous avons effectué la division euclidienne de Q1 ici par B toujours. Et nous notons donc ici qu'il existe un couple Q2, R2 tel que Q1 soit égal à B fois Q2 ici plus R2. 0 étant inférieur ou égal à R2, strictement inférieur ici à B. Q2 étant ici strictement inférieur à Q1. Si Q2 est strictement inférieur à B, le problème est résolu et nous avons l'écriture de A qui est Q2, R2, R1, R0 dans la base B. Si Q2 n'est pas strictement inférieur à B, c'est-à-dire est supérieur ou égal à B, nous allons encore procéder donc par la division euclidienne ici de Q2 par B. Et on va réitérer ce procédé. Alors, nous découvrons donc ici la suite Q indice N des différents quotients entiers que nous obtenons dans les différentes divisions euclidiennes successives. De A par B, nous avons Q0. De Q0 par B, nous avons Q1. De Q1 par B, nous avons Q2. Ainsi de suite. Cette suite de quotients est strictement décroissante. Puisque nous notons ici que 0 est inférieur à A, très bien, et nous avons notre Q1 qui est inférieur à Q0, nous avons notre Q2 qui est inférieur à Q1. Auquel, dans le cas contraire, le problème est entièrement résolu. Alors, la suite étant décroissante et majorée, elle est donc une suite finie, donc il existe forcément un entier cas tel que Q indice K soit strictement inférieur à B. À partir donc des itérations, on peut donc comprendre que ces itérations s'arrêtent à un certain moment. Question 2. Démontrons que l'écriture A est égale à Rn, Rn-1, R1, R0 est unique. L'écriture de A est constituée ici essentiellement des restes des différentes divisions euclidiennes, des divisions euclidiennes successives que nous avons eu à effectuer. Ces restes sont unis par la définition même de la division euclidienne. Nous avons dit que si A et B sont deux entiers naturels, B étant non nul, il existe un unique couple quotient reste tel qu'on est A égal à B fois B plus R. Donc, A étant écrit à l'aide des différents restes des divisions euclidiennes successives, ces restes étant uniques, l'écriture de A est également unique. Des différentes divisions euclidiennes, nous avons donc, comme nous l'avons dit, l'unicité de l'écriture de A. Le code de cette carte bancaire est 2142. Voilà le cryptage du code par le mari. Et nous allons donc, de manière itérative, faire nos divisions euclidiennes. Première division euclidienne, nous divisons 2142 par 2 et nous obtenons 2142 égal à 2 fois 1071 plus 0. Nous notons ici que 1071 étant supérieur à 2, nous allons encore procéder à la division euclidienne de 1071 par 2. Quand nous procédons à la division euclidienne de 1071 par 2, nous avons 1071 est égal à 2 fois 535 plus 1. 535 étant supérieur à 2, nous faisons la division euclidienne encore par 2. Le quotient étant 267 supérieur à 2, nous procédons encore
à une division de 267 par 2 et progressivement, nous atteignons donc la ligne 66 est égale à 2 fois 33 plus 0. Ici, nous poursuivons et à la fin, nous avons 1 est égal à 2 fois 0 plus 1, le quotient étant ici 0. Ici, il est inférieur à 2. Nous arrêtons donc notre série de divisions euclidiennes. Nous pouvons donc donner l'écriture de 2142 en utilisant les différents restes des divisions euclidiennes sur ceci. Nous notons donc ici que le code que l'époux envoie à sa femme s'écrit 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0. Ce code donc a été crypté en base 2. Le décryptage du code donné par la femme se fait exactement comme suit. Nous comptons le nombre d'occurrences et à partir de la première occurrence ici, nous avons deux exposants 11. Nous avons 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 occurrences. Donc, ici nous avons donc 1 fois 2 exposant 11 plus 0 fois 2 exposant 10, ainsi de suite, des divisions successives, des puissances successives. La femme utilise donc le code qui est 2142. Que pouvons-nous retenir? Si B est un entier naturel, B étant supérieur ou égal à 2, on peut écrire de manière unique tout entier naturel A sous la forme A est égal à Rn, Rn-1, R1, R0. Au-dessus, on a B. Ici, Rn, Rn-1, R1, R0 étant clairement ici les différents restes des divisions sur ceci. On dit dans ce cas que A est écrit en base B. On note ici que ces restes Ri vérifient 0 inférieur ou égal à Ri, strictement inférieur ici à B, puisque nous sommes dans la base B. Nous prenons un exemple. Écris le code qui est donné en base décimale. Deuxième exemple, écris 456 en base 2. Pour écrire le code qui nous est donné en base décimale, nous allons simplement compter le nombre d'occurrences, c'est-à-dire les symboles utilisés. Nous avons 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Nous avons au total donc 9 symboles qui sont utilisés. Pour l'avoir en base décimale, nous avons donc 1 fois 2 exposant 8, plus 0 fois 2 exposant 7, plus 0 fois 2 exposant 6, plus 0 fois 2 exposant 5, plus 1 fois 2 exposant 4, ainsi de suite, les puissances décroissantes de 2 nous permettent donc, après calcul, d'obtenir 285, qui est donc ce nombre dans la base 10, encore appelée base décimale. Le nombre 456 nous étant donné en base décimale, comment l'avoir en base 2? Nous allons effectuer les différentes divisions euclidiennes. 456 par 2, nous avons ici le quotient. Là, nous avons 2. Ici, nous avons 2. 2, 4, 1. Là, ça fait 16. Et là, nous avons 8. Et nous allons par la suite diviser encore 228 par 2. 228 par 2, 1, 1, 4, le reste est sans 0. Nous allons encore diviser par 2, ainsi de suite. Voilà la disposition pratique. Et dans la suite, nous allons commencer pour l'écriture de ce nombre à noter les restes à partir du dernier reste ici de notre division euclidienne. Remarque, par convention, lorsque rien n'est précisé, les nombres donnés qui nous sont donnés sont écrits dans le système décimal, c'est-à-dire dans la base 10. Exercice d'application. N étant un entier naturel non nul, écrit 2 exposant N en base 2. Question B, écrit 2 exposant N moins 1 en base 2. Alors, exercice 2, on nous donne l'écriture d'un nombre en base 2 et qu'on nous demande d'avoir en base 10. Question B, écrit le nombre dont les occurrences sont 8, 7, 9, 8, 5 et 6 en base 10, en base 2. Nous donnons solution à cet exercice d'application. Nous notons simplement ici que 2 exposant n va s'écrire en base 2, 1,
0, 0, 0, 0, 0 ici. Nous sommes là en base 2. On notera ici exactement N moins 1, 0. N0. Nous aurons ici N0. Ça veut dire que nous avons N plus 1 symbole ici. Donc ici, nous avons N0 et le 1 qui est le premier symbole ici qui doit être non nul. Dans le deuxième cas, 2 exposant N moins 1 se écrit sous la forme de la somme de N moins 1 plus de N moins 2. Et là, nous avons clairement l'écriture de ce nombre en base 2 qui est 1, 1, 1, 1, 1. Nous avons ici exactement 1. N fois. Exercice 2. Le nombre qui nous est donné en base 2, comment le retrouver en base 10? Nous l'avons dit tout à l'heure. Nous comptons le nombre de symboles et nous notons ici que nous avons 13 symboles. Ça veut dire que la plus grande puissance, c'est-à-dire la puissance du premier symbole, sera clairement 12. Nous avons donc 1 fois 2 exposant 12 plus 1 fois 2 exposant 11, ainsi de suite. Et nous avons, après calcul, 8167. Nous vous laissons le devoir suivant. P est le polynôme défini par P de x est égal à x puissance 4 plus x puissance 3 plus 2x au carré plus x plus 1. Première question, factoriser P de x dans R. Deuxième question, en déduire le produit 1, 1, 1 en base 2 fois 1, 0, 1 en base 2. Chers apprenants, nous sommes arrivés au terme de cette deuxième leçon qui a porté sur la numération binaire, c'est-à-dire la numération en base 2 et la numération décimale, c'est-à-dire l'écriture d'un nombre en base 10. Notre prochaine leçon portera sur la divisibilité dans Z. Une terre ici, ma terre est yop. On a terre minga, ma terre est yom. On a terre ma jang, ma terre est dom. Mane tambia nina, ne injobia yen. Ngani bana, ma terre est mot. Ngani la kiri, wa terre est dom. Esse kina, bia dinkido. Mane tambia nina, ne injobia yen. Tam tama mote, tam zabike. Tam tam atonge tam zabike tam 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 amote tam zabike mane tambia niña ne injubia yen.